Elle incarne Amy Sisson, la logeuse de Sherlock Holmes, dans la série Sherlock auprès de Benedict Cumberbatch et de Martha Freeman. L'actrice britannique Una Stubbs s'est éteinte à l'âge de 84 ans. Visage connu du petit écran britannique. Cette dernière était malade depuis plusieurs mois, selon les confidences de son agent à nos confrères de la BBC. Una Stubbs s'en est allée dans sa maison en Écosse, où elle y était née en 1937. Accompagnée de sa famille et de ses proches, maman est partie paisiblement aujourd'hui avec sa famille à ses côtés. Ont ensuite communiqué ses trois fils, Joe, Christian Hanson et Jason Gilmore. Ces enfants demandent le respect de leur intimité afin de traverser cette période difficile et triste. Una Stubbs a mené une carrière prolifique durant six décennies. La comédienne britannique a fait ses débuts en 1963 dans Summer Holiday. Pour autant, c'est surtout à travers ses rôles à la télévision qu'elle a connu le succès et notamment grâce à Tide et US Dopar. Wurzel Gumminge, In Sickness and in Health. En apprenant la triste nouvelle, les fans ont alors tenu à lui rendre un vibrant hommage. Je vais pleurer, un peu sous le choc. Grosse pensée pour Una Stubbs, elle était trop mignonne. Son rôle de Sherlock toujours dans mon cœur. C'est avec une grande tristesse que je vous partage le décès d'Una Stubbs, merci pour votre douceur. Votre élégance et votre humour. Vous nous manquerez beaucoup. Si triste d'entendre que la charmante Una est partie. Triste nouvelle, elle était restée éternellement jeune, cette magnifique dame. Maintenant l'Angleterre va s'effondrer ou encore vous resterez à jamais dans nos cœurs. A-t-on pu lire parmi les commentaires sur Twitter? De quoi immortaliser Una Stubbs à jamais aux yeux des passionnés du petit écran.